Justice et dignité. Justice et dignité. On se demande comment c'est pas arrivé plus tôt. Parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a tout Belzin, il y a le panier. Et même dans la rue de la République, si vous vous rappelez, il y a 14 ans, ils ont viré un peu tout le monde. Et vous avez encore des immeubles qui sont restés dans l'état, qui sont vétustes au maximum. Et bien sûr, on privilégie d'abord les copropriétés où on paye cher, mais pour les HLM, on n'en a rien à foutre. D'ailleurs, je crois qu'il l'avait dit, Gaudin. Je préfère payer l'amende que de faire des HLM. Et quand il a entrepris de rénover, soi-disant rénover, entre parenthèses, la rue de la République, il virait tous les gens qui n'avaient pas d'argent pour mettre des cadres qui allaient payer des impôts locaux. Voilà la politique, c'est toujours la même. Hein. Voilà, tout pour les riches, rien pour les pauvres. Et vous en êtes où au niveau de la rue de la République ? Ben, c'est pratiquement terminé. Ils ont revendu un bon tiers des immeubles qu'ils devaient faire pour les riches aux HLM, parce qu'ils ne s'en sont pas sortis. ANF a perdu 80 millions, les Américains en ont perdu 120. Et ceux qui ont racheté les immeubles, ben souvent, c'est des sociétés d'HLM qui n'ont pas les moyens de rénover encore. Les quelques-uns qu'avaient fait les Américains, ils les ont vendus à la découpe. Mais comme la promiscuité avec les gens est toujours là, ces gens-là, les gens qui ont les moyens, ne veulent pas venir se mélanger. Donc ceux qui ont acheté pour dégrever sur leurs impôts, ben, ils sont bien dans la merde, ils revendent même les maisons. Pour finir donc encore sur la rue de la République, il y a encore plein d'immeubles qui n'ont pas été rénovés. Ça fait quand même 14 ans qu'ils ont attaqué l'opération. Et des immeubles qui sont totalement délabrés. Ils ont été vendus à une première société, à une deuxième société, une troisième. Rien que le mien a été vendu 3 fois en 14 ans. Aujourd'hui, c'est une société semi-HLM. Ils ont fait un coup de peinture, uniquement un coup de peinture dans le couloir. Ils ont mis une barrière pour éviter les squats, et puis c'est tout, les appartements, ils ne les touchent pas. On a toujours les vitres qui datent de 40 ou 50 ans en arrière. Il est hors de question de nous faire le double vitrage. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas vendu les appartements très cher et ils louent pas à 900 ou 1000 euros par mois. Voilà où on en est. Donc c'est le problème de la rue d'Aubagne, il est général à Marseille, hein. C'est pas que la rue d'Aubagne. Du camouflage, c'est tout de l'habillage et du pipeau, comme on dit à Marseille. Alors moi j'habite la rue prestigieuse qui est la rue de la République, face au Monoprix qui a été installé tout neuf, à côté de Babel Community, la plus belle brasserie je crois de Marseille, au 62 de la rue République. Il est magnifique cet immeuble haussmannien. Vous poussez la porte, d'abord en donnant un bon coup, la porte s'ouvre. Il y a deux escaliers, escalier A, escalier B. Dans tous ces deux escaliers avec 6 étages, nous sommes 5 locataires. Laissés à l'abandon. C'était ANF, ensuite Promologie, aujourd'hui c'est Unici. Personne ne fait rien. Cet immeuble, si vous venez le voir de l'intérieur, c'est une honte. C'est rue de la République quand même. Hein. Cette fameuse rue que le maire a vendue à ANF, a soutenu tout ce que ANF a voulu faire. Eh bien, il est à l'abandon. La façade est très belle, hein. Mais allez-y, entrez. Vous allez comprendre ce que nous vivons au quotidien.